Et salut à tous, lundi 24 octobre 2022, il est 11h. Regardez ce qui arrive sur le secteur de Voiron au nord de Grenoble. Non, vous ne rêvez pas. J'ai bien une super cellule en face des yeux. Délire! Il y a gros délire, regardez la rotation. La base! Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Ce truc de dingue! Bah, bah, bah! Oh l'Arcus, énorme. Oh les gars, la super cellule, franchement. Ah, ça valait le coup que je me déplace. Hein. Wow. Oh, ça valait tellement le coup que je me déplace. Énorme. Je suis en train de chasser une super cellule un lundi 24 octobre. Je sais pas si vous réalisez vraiment le délire là. Une super cellule un lundi 24 octobre. Même moi, j'arrive pas à y croire. C'est un truc de fou. Regardez-moi cette structure de dingue. Oh, la rotation. C'est magique. C'est magnifique. Je me suis placé là sur le bord de la route. Il y a un bout de terre, donc j'ai pu me garer. Elle est magnifique. Oh là là, la rotation. Oh, c'est énorme. Putain. Ce truc de taré. C'est quoi ce machin? Oh mon dieu! Regardez-moi cette base! Incroyable! J'ai posé ce qu'on appelle un demi-shift, donc c'est-à-dire que j'ai coupé mon temps de travail aujourd'hui en deux, j'ai le droit. Donc au lieu de faire les 8h, j'ai fait 3h30. Enfin, on fait 7h45, donc du coup ça revient à 3h30. Je suis parti à 8h30, j'ai attendu un peu et là j'ai vu les orages qui remontaient de la Drôme. Oh, l'ampleur qu'ils ont pris. Oh, l'espace de 10 minutes, un quart d'heure sur les radars, c'est parti en super cellule. Regardez, juste en face. Oh, c'est énorme. Oh, il y a des éclairs dans tous les sens. Oh putain. Magnifique. Magique. Je suis en train de chasser de la super cellule un 24 octobre. C'est incroyable. C'est juste dingue. C'est juste. C'est incroyable. J'ai pas les mots. Alors, c'est que des intras pour l'instant. Je vois pas beaucoup d'impact. Oh, la structure. Waouh. La rotation qu'il y a. C'est énorme. Et il y en a une deuxième derrière, hein, je tiens à préciser. Il y a deux super cellules. Voilà, Arcus. Non, le vent. Par contre, calme-toi. Oh, c'est magique. Oh, c'est magique, c'est magnifique. Regardez-moi ce truc de dingue. Regardez-moi cet Arcus de taré. Franchement, c'est énorme. Et en plus, il y a le vent de sud-est là, qui souffle. C'est ce qu'on voit là, ce qu'on sent, c'est le vent de sud-est. Il est en train d'alimenter la cellule, justement par son flanc ouest. Son flanc est, pardon. C'est pour ça qu'elle tourne d'ailleurs. Oh, l'Arcus de taré! La rotation qui est en train de passer là-bas au fond. Énorme. C'est extraordinaire. Rien à dire, parfait, extraordinaire, juste parfait. Oh la vache, oh la vache. Waouh. Trop beau, ah vraiment. C'est incroyable. Du grand délire. Commence à y avoir des internuageux là, à l'avant de la super cellule. Oh là là, c'est incroyable. Pas d'impact encore, c'est dommage. Ouh. Oh, c'est du grand n'importe quoi, c'est sûr. En plus, il y en a une deuxième derrière. Alors, je sais pas si on va la voir, mais il faut que je surveille, il y en a une deuxième. Oh, ça gonfle à ma gauche, l'alimentation. Il y a un inflow qui est en train de se créer juste là, à l'entrée de Grenoble. C'est un truc de fou. Putain, le vent, par contre, non. Alors, ce qui est juste chiant, c'est qu'il y a du vent de sud-est. Du coup,
bouger le téléphone un peu. Oh, elle va où là? Waouh! Elle va où la super cellule? Mon dieu, on va tous mourir, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'elle se rapproche un peu de moi quand même. Regardez, ça se forme à ma gauche, là, à gauche du téléphone. Il y a un inflow là qui sort juste à côté. Je suis pas dans la merde moi. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Extraordinaire. C'est gros délire. Vraiment gros délire. Je suis choqué, je suis en train de chasser une super cellule un 24 octobre, mais MDR. Oh là là, regardez cette beauté. Magnifique. Splendide. Attendez, je prends une capture d'écran, c'est trop beau. Waouh. Elle commence un peu à se déstructurer, mais l'arcus reste quand même bien visible. Il doit y avoir une rotation là-bas dessous, j'ose pas imaginer. Oh, 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 le délire. C'est n'importe quoi. 24 octobre, vraiment. Vraiment, on est à 24 octobre, bah ouais. Oh mon dieu. Oh là là, je suis arrivé juste à temps. Incroyable timing. Juste avant que la supercellule arrive. C'est énorme. Franchement, c'est énorme, y'a rien à dire. C'est juste énorme. Oh là là, j'ai la vidéo là. Oh là là, putain, la vidéo de supercellule le 24 octobre. Je l'ai. Première chasse à la supercellule, soi-disant passant, hein, d'ailleurs, sur le Noriser. Tiens à le préciser. Hein. Oula, il y a des éclairs plus au nord, là. Vers, derrière Voiron, là-bas, à l'entrée de la Chartreuse. Oh là là, extraordinaire. Voilà. Par contre, le vent, calme-toi, s'il te plaît. Alors, le vent, le problème, c'est qu'il risque de repousser. Bah oui, il va repousser la supercellule vers le nord. Ah, le vent, calme-toi, s'il te plaît. Attendez, on va se tourner. On va se tourner, la supercellule, elle est là, putain. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme, waouh. J'adore. J'adore, j'adore. Elle commence un peu à se déstructurer, mais elle reste pas mal quand même. Par contre, trop de vent, c'est chiant. Oh, j'adore. Regardez-moi cet arcus, il est beau. Waouh! Regardez-moi ce truc de taré! Par contre, il y a un peu beaucoup de vent là. Pour l'instant, c'est du vent de sud-est, toujours pas du vent de la cellule. J'ai l'impression qu'elle se déstructure un petit peu, mais un petit peu quoi. Le vent, l'horreur. Je crois qu'il y a la deuxième derrière. C'est n'importe quoi. Deux super cellules pour le prix d'une. Oh là là, le délire. Oh là là, le délire. Ah, ça commence un peu à se casser la gueule, mais par contre devant, c'est une belle gueule. Hein. À l'avant, ça se casse la gueule. Par contre, là ici, waouh. Là ici devant par contre ça commence à vraiment être pas mal. C'est trop beau bordel. Je suis sûr que ça tourne. Je suis sûr sur l'accélérant, on va voir ça tourne. Oh c'est épique. Oh, rien à dire, c'est épique. Super cellule à l'Isèroise, à la Voironnaise. Allez.
les formes qu'il doit y avoir là-dedans. Comment ça s'élève au niveau du relief là-bas. Et ce que je trouve dingue, c'est que le vent sud-est se maintient. On dirait avoir une tornade là-dedans. Ça y est, nous aussi on va avoir des tornades. C'est terrible. Extra. Pas beaucoup d'impact malheureusement. Que des intras. Mais une structure vraiment très intéressante. Bah, le plus gros passe loin quand même. Mais pour le coup, ce spot il est quand même pas mal. On voit bien. De base, je voulais aller vers Moiran, mais j'aurais perdu trop de temps. Franchement, j'aurais perdu trop de temps et j'aurais raté la super série. Oh, le vent! Tiens-toi, s'il te plaît, le vent. Je sais même pas si on m'entend, en fait, tellement il y a du vent dans le micro. Des fois, je sais même pas si on comprend ce que je dis. Oh là 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 là. Voilà, elle commence à se casser la gueule, mais putain, c'est beau. Donc je surveille ce qui se passe encore derrière. Il est 11h, c'est le gros bordel sur l'horizon. Oh là là. Pas possible. Je sais pas où elle va, je pense qu'elle va passer sur le nord de la Chartreuse. C'est assez énorme. Les montagnes commencent à la briser en tout petits morceaux là, c'est dommage. En tout cas on voit bien l'inflow avec le vent de sud-est qui l'alimente. C'est énorme. Ah, je regrette pas d'être venu. Wow, comment ça fait les nuages derrière, ça fait un rouleau qui est en train d'arriver vers moi. Je vous jure, ça fait un rouleau. Comme un arcus secondaire en fait. Parce que ici on a le vent de sud-est. Mais je crois qu'il y a le vent d'ouest qui est en train de pousser là par là. Oh, le rouleau qui est en train d'arriver derrière. C'est n'importe quoi ce temps. Oh, attendez, regardez derrière. Regardez ça. Regardez-moi ça. Putain! Bon, la super cellule elle se casse la gueule. Mais regardez-moi ça, ce que c'est en train de nous faire! Oh là là! Oh mon dieu, le vent qu'il va y avoir! Mon dieu, les gars, ça sent la tempête! Je dis ça, je dis rien, mais les gens commencent à se démonter par le vent. Ça va moins rigoler dans pas longtemps. Oh là là! Franchement, y'a rien à dire, parfait! Situation parfaite! Regardez-moi ce délire. Regardez-moi cette vague de nuages. Incroyable. Voilà, ouais, super cellule, elle se casse là-bas. Faut que je surveille derrière, il y en a une autre. Je vois l'Arcus déjà qui est en train d'arriver. Wow, regardez le nuage. Oh, oh là là, la tempête qu'il va y avoir. Je crains le pire. Niveau vent, là, je pense qu'on va mourir. Oh mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Putain, ça nous fait des tourbillons dans la base nuageuse. Oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. Bah aussi près en tout cas, non. Oh là là, super cellule, elle se casse là-bas, mais il y en a une deuxième qui arrive. C'est épique, bordel. Oh là là, le vent. Regardez-moi ce délire. Ah, c'est dingue, non. Là, franchement, rien à dire, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça. Regardez la vitesse à laquelle ça se déplace. Regardez. Oh là là. Putain, le délire.
c'est n'importe quoi. Des tourbillons. Non mais incroyable. Incroyable ce délire. La vitesse à laquelle ça se déplace. C'est n'importe quoi. Ah, beaucoup de vent par contre qui arrive. Oh la vache. Oh la vache. Oh, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Pas trop de vent. C'est bizarre, y a pas trop de vent. On aurait pensé que c'était plus le bordel que ça, mais en vrai ça va. Oh là 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 là. C'est du grand n'importe quoi, je sais pas. Il y a la deuxième super cellule qui est derrière, mais je sais pas si elle va survivre celle-là. Oh là là là. C'est là. Putain, c'est la caisse, on balayait les nuages. Regardez-moi ça. La vitesse à laquelle c'est balayé. C'est juste dingue. Incroyable. Les nuages ils tournent. Putain. C'est du gros délire. Putain, ça fait des rouleaux de nuages. Oh, c'est effarant. C'est vraiment effarant. Ça fait des rouleaux. Pour le coup, c'est vraiment la première fois que je vois ça aussi près. Alors c'est comme ça le Norisa quand il y a des orages, mais putain ça fait peur hein. Ouh là là. Oh c'est noir là-bas. La cellule qui se casse vers le nord, le reste. C'est noir là-bas. Oh là là là, c'est des... C'est trop délire. Oula, attention rafale de vent qui arrive. Petite rafale de vent là qui arrive. Waouh. Bon, ça a l'air de se calmer. Regardez, regardez le vortex. Regardez. Regardez le tuba. Le tuba horizontal. Regardez, regardez. Juste là. En blanc, regardez le vortex. Vortex horizontal. Oh sa mère. Les gars, tornade horizontale. Oh putain. Regardez, on le voit. En haut de l'écran. Non mais what the fuck. Oula, puis y a du monde encore derrière. J'ai l'impression. Regardez, on voit encore. Oh c'est nimp. Regardez, il est là hein. Ah putain! Ça va nous faire des tornades! On va tous mourir! Ah les gars, il y a l'autre super cellule qui arrive par contre. Je la vois, elle est en train d'arriver. Regardez! Petit vortex, putain! Et je maintiens le coco. Regardez, il est toujours là. Regardez, il est toujours là. Ah les gars, il y a l'autre super cellule derrière. Ça va renvoyer. Ah putain, on va tous mourir. Les gars, on va tous mourir! Regardez-le, le petit vortex. Il est toujours là. Non mais, je sais plus quoi dire, moi, c'est incroyable. Je suis en train de voir des trucs incroyables. Ah putain. Ah ça y est, le vortex se barre. Petit vortex, il est en train de mourir. Alors, ça donne quoi à l'ouest? Oh bah, je sens qu'on va tous mourir.
Regardez ce qui arrive encore. Bah les amis, wow, il y a des éclairs encore là-bas. Les amis, je vais couper parce que je crois qu'il y a une deuxième super cellule qui est en train d'arriver. Je vais regarder les radars et puis je vous tiens au courant. Allez, ciao tout le monde. Nous sommes toujours le lundi 24 octobre 2022. Il est 11h40. Deuxième super cellule en approche. Enfin, du moins en transition très proche. Avec une teinte verdâtre très rassurante. Voilà. Teinte verte vraiment bien visible. Deuxième super cellule qui passe dans la même zone. Et très probablement une troisième, voire une quatrième qui se prépare sur la Drôme et qui remonte vers nous petit à petit. Voilà, par ça tout va très bien. Deuxième super cellule en moins d'une heure. Les pauvres, ceux qui habitent là-bas, je pense qu'ils doivent rien comprendre à ce qui leur arrive. Vraiment, je pense qu'ils doivent rien comprendre. Avoir deux super cellules en moins de 30 minutes, ça fait quand même beaucoup. Oh, le rideau, juste en face, énorme. C'est absolument n'importe quoi, deux super cellules en 30 minutes. Et il y en a encore derrière, il y a de la réserve. Il y en a une d'ailleurs que je me méfie vraiment particulièrement parce qu'elle est en train de vraiment partir en vrille sur les radars. Elle commence à taper pas loin du 650. Au niveau des intensités de pluie, ça tape pas loin du 650 mm/h, donc tout va bien. Oula, ils sont en train de tous mourir là-bas. Regardez-moi ce gros délire. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ce gros délire. Putain, celle-là elle se déplace vite. Hein. Oh la vache. Puis elle passe plus près que tout à l'heure. Parce que le rideau il aborde. Regardez, il aborde le relief. Tout à l'heure il était derrière le rideau. Ah, elle passe un peu plus près celle-là. Et j'ai peur que les prochaines par contre je me les tape, donc faudrait que je fasse gaffe. Par contre l'Arcus, ah la vache, il est vert. Oh comment c'est vert. Comment c'est vert. Oh j'espère qu'il n'y a pas de la grêle parce que j'ai la bagnole juste là, je suis un peu dans la merde, c'est de la grêle. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est en train de nous faire ce truc de dingue. Le rideau. La couleur qu'il a. Non mais vraiment. La couleur du rideau, ça me fait peur. Je vous assure. Je prends des captures d'écran parce que là, vraiment, c'est un peu hors norme. J'ai jamais vu ça le 24 octobre. Jamais, jamais. Le 24 octobre 2022, je crois que ça va rester dans les annales de la météo pour nous. Oh, ce rideau du Seigneur. Oh, il y a le soleil derrière. Le contraste. Oh, la couleur. Maman. Maman, qu'est-ce que c'est en train de leur tomber dessus. Oh, oh là là, l'horreur. Ce qui leur arrive dessus, les pauvres, je les plains. Franchement, je les plains. Vaut mieux pas être dessous, à mon avis. Regarde-moi ce délire. Bon, ça va, elle passe à côté, mais alors, par contre, elle va passer très près. Hein. Oh, elle va passer vachement près. Oh, ça a inversé le vent, d'ailleurs. Le vent est passé nord. Ah, putain. Ah, le vent, il vient de passer nord. Je le vois au niveau des nuages, là-bas. C'est pas dans la même direction que tout à l'heure. On en parle vraiment du rideau, de la couleur du ciel. Ce vert qu'il y a, mon dieu. C'est bleu vert terrifiant. C'est un bleu vert terrifiant, je vous assure. J'ai rarement vu ça au mois d'octobre, voire quasiment jamais. En tout cas, un 24 octobre, je n'ai pas souvenir de ça. Je m'en souviens pas d'avoir autant de bordel orageux. C'est un gros délire. Attendez, on va se déplacer, c'est quoi, on va se mettre par là. Parce que là, il y a l'arbre, en fait, c'est ça le problème. Regardez-moi ce bébé qui va tuer le fond de la vallée là-bas. Ils vont tous mourir. Oh la vache. Nous pour l'instant on est épargnés. Alors pour combien de temps je sais pas parce que derrière il y a de la réserve encore. J'ai bien précisé. On a un morceau de l'Arcus qui passe juste au-dessus de nous actuellement. C'est merveilleux. Ils sont en train de tous crever là-bas. Mangés par la grêle et le vent et la pluie torrentielle. Nous on s'en sort bien quand même. Hein. On a rien. On a que dalle. On a juste des nuages qui passent au-dessus de nous, de manière temporaire. Nous ici on est tranquille, voilà. Je sais pas pour combien de temps on va être tranquille parce que ça commence à vraiment se rapprocher au fil des orages. Vraiment les supercellules commencent à de plus en plus se rapprocher, plus ça va, plus elles arrivent. À se rapprocher d'ici, donc je pense qu'à un moment on va vraiment mourir ici. Oh là là, regardez la couleur. C'est n'importe quoi. Que des intras essentiellement, je suis déçu. Pas d'impact de foudre. On a mis dehors des vents démentiels, là, dans de la grêle et tout. La couleur, c'est émeraude. Alors là, c'est plutôt émeraude devant d'ailleurs. Sur le petit noyau là qu'on voit arriver, c'est émeraude.
C'est plus couleur émeraude. Alors c'est beau l'émeraude, hein, mais dans les orages, généralement, c'est pas bon signe. Oh là là. Le vent s'est calmé. Ah, ah. Le vent a tourné nord. Ah, pas encore. Ça ne saurait tarder. Oh la vache. Oh la vache. C'est incroyable. Et puis derrière, ben... Allez, vas-y. Remets-en une couche. Remets une couche de supercellules. Ce qui est dingue, c'est que les supercellules se baladent du sud-ouest vers le nord-est. Et on a en altitude un flux de sud. Ça se voit au niveau des nuages. Il y a une différence de direction au niveau des altitudes, ça fait peur. Regardez-moi ce bordel là-bas en face. C'est énorme. Ouh là là. Ouh là là. Putain. Choucar, c'est... Mais c'est que des intras, c'est chiant. Il n'y a pas de foudre. Je pense qu'après, je vais attendre la prochaine supercellule, je vais mettre en charge mon téléphone. Putain, la vitesse à laquelle ça se déplace, regardez, c'est déjà presque fini en 5 minutes. Regardez, en 6 minutes, c'est passé. Non mais, la rapidité de la supercellule. Oh non, il y en a, oh, il y en a une autre. Les gars, il y en a une autre à gauche. Autre supercellule qui arrive. Putain, on va vraiment finir par s'en prendre une dans la gueule. Je vous assure. Je vous assure, on va vraiment finir par s'en prendre une dans la gueule de supercellule. Je vous le dis, j'ai peur. Je le sens très mal, la situation. Là. Parce que là, ça reflash au nord-ouest. Ouais, on a notre petit Arcus là, qui se balade, tranquille ou bilou. Je sais pas ce qui se prépare encore là-bas vers Moiran, Bourgoin-Jailleux, mais à mon avis, ça sent pas bon du tout. Clairement, on est dans la merde. À méfier de l'autre supercellule que j'ai vue sur le radar, parce que alors elle par contre, oulala, elle fait peur. Ah, je regrette pas d'être venu, franchement. C'est vraiment pas mal. Bon, malgré la circulation à côté, je me suis pas mis au meilleur endroit, mais disons que le plus safe, ça reste quand même ici, parce que je suis à proximité de Grenoble, donc au cas où je peux me replier. Et puis, bah, fallait que je sois dans le feu de l'action, fallait que je sois en place, donc... Il n'y avait pas le temps de trop traîner quoi. J'avais pas spécialement le temps de me dire alors est-ce que je vais là, est-ce que je vais là. Non, c'est tu trouves un endroit, tu te poses. Parce qu'avec ce qui se forme, t'as pas le temps. Regardez la vitesse à laquelle ça passe. En 10 minutes, c'est torché. Et non, 10 minutes, l'orage il est passé, putain la couleur. Couleur émeraude à l'intérieur. C'est du grand n'importe quoi. Ah, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini, non. C'est le début de la fin. Ouais, clairement. Je vous le dis, c'est le début de la fin pour nous. J'ai peur de ce qui va arriver par la suite dans l'après-midi ou dans la fin de matinée. Jésus. Très rassurant. Très très rassurant. Vachement. Vachement rassurant. Oh, ça pète à gauche. Oh, ça pète à gauche. Probablement la troisième supercellule. Mon Dieu. Mon Dieu, ce ciel. Chaotique, c'est le bordel. Bon, ce qui est bien, c'est que le vent s'est un peu calmé quand même. Ça fait du bien de pas avoir de vent. Non, mais c'est du. C'est du grand n'importe quoi. Ah, mais j'ai bien fait de me déplacer, je suis content. Franchement, je suis content. Pas trop déçu du voyage. Au moins, j'ai eu les structures et tout. Parfait. Regardez-moi ce bordel. Oh, il y a un tuba en face de nous. Ah, petit tuba là. Je le vois. Tuba ou pas? Ouais, ça a l'air de tourner. Hein. Soit c'est un nuage qui se détache de la base, soit c'est juste un tuba. Bon, avec les rotations, ça m'étonnerait pas trop qu'il y ait des petits tubas. Mais... Après, ça sera confirmé avec la vidéo. Ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait. Par contre, il y a un monstre qui est en train d'arriver là au nord-ouest. C'est reparti mon kiki là. Là, il y a du monde au nord-ouest. Alors, ça s'éclaircit un petit peu en direction de Valence, mais à mon avis, ça s'éclaircit temporairement parce que j'ai regardé les radars aussi vers Valence. Ça reprend un grand train. Grand train d'orage. Oh, c'est du délire. Une autre petite vidéo de 10 minutes sur la deuxième supercellule. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais mettre en charge mon téléphone. Je vais regarder les radars où ça en est pour voir si la troisième elle passe par là ou si elle s'éloigne. Bon, à mon avis, elle va s'éloigner. Elle va passer là-bas au fond. Ouais, la troisième supercellule, à mon avis, elle passe plus loin.
Et surveillez ce qui arrive pas encore par la Drôme et l'Ardèche. Voilà. Quelque chose me dit qu'on va être encore dans la merde pour un petit moment. Au vu de comment ça se profile à l'ouest, à mon avis. Bah voilà les amis, 10 minutes. Ça fait la deuxième super cellule de la matinée. Bah écoutez, je vous dis à très vite, peut-être la troisième, la quatrième, je sais pas combien on va en avoir d'ici tout à l'heure, le début d'après-midi, je crains le pire. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve très vite. Allez, tout le monde!